c'est jamais été porté pour vous. Tout ça là, c'est camouflage. Christian Pierre a tiré, on dirait. Depuis ce jour-là, on dirait que les Hachiers là, ils sont en train d'avoir galon seulement. Hachier Premier ministre. C'est-à-dire que si ça peut être tapé comme ça, la cité gardée pété. Oh, attends, hein. Vous n'avez pas retrouvé, hein. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser une technique parce que je suis sûr dans la salle. Voilà ce qu'on va faire. Vous, tu vas compter jusqu'à 3. Et puis vous allez applaudir très fort. Et chacun n'a qu'à regarder son voisin. Celui qui l'a applaudi, pensez que c'est lui qui est dit. Cette technique-là, c'est infaillible. On va l'attraper le soir. Ça, c'est notre inspecteur Combo.
salir con la barata. ¡Sala! ¡Se va a ir! ¡Hombre! ¡Sala, chicos, eh! ¡Ven que me sale con esa! ¡Se va a Cristian! ¡Usted se va a ir! ¡Ah, ok! ¡Vale, pinche! ¡Vale! ¡Sí, se ve Cristian que es mi mamá! ¿Qué hay en esas? Mais c'est son virus là.
Ah, il est dangereux. Je crois que du coronavirus. Parce que c'est le coronavirus. Si le coronavirus, vu tout ça, un corona ici, ça fait rien. Laissez-le pour là. Quand il va se lever, tu apprends le corona. Pendant le corona. Pour lui bailler le corona. Moi, je me suis assis, j'ai dit, l'homme qui s'appelle Corona, c'est dans quelle ambassade ils vont te donner visa? On te demande, mon frère, tu t'appelles comment? Tu dis, je m'appelle Corona. La chose même, son virus, il ne peut pas avoir trouvé son virus, c'est son homme qui va envoyer dans un pays. Et puis tu te rends compte que Corona est venu avec son look. Son style vestimentaire. Chacun porte casse-nez. Ah, mais casse-nez là, souvent quand vous portez là, tenez ça bien. Hein? Parce que la dernière fois là, moi j'étais dans un spectacle, il y a une femme, elle a tellement ri jusqu'à elle a avalé son casse-nez. Actuellement, elle a l'hôpital. Casse-nez. Ah, les gens sont fatigués avec. Moi au départ, je ne voulais pas porter casse-nez là, et ça je reconnais. Mais là où j'ai commencé à porter casse-nez, c'est le tout, j'ai vu le féticheur de mon village porter casse-nez. J'ai dit, aïe! Donc j'ai mis aussi à faire des corona. Et à un moment, j'ai vu un dodo avec casse-nez. J'ai dit, mon frère, quand c'est un dodo, tu portes casse-nez. J'ai dit, mon frère, j'ai un 10 balles. Mais je n'ai pas un 10 virus. Là, il a compris que vraiment, à faire des casse-nez, là, c'est compliqué. Même moi-même, je suis parti à la pêche. Quand j'ai lancé mon abdition comme ça, j'ai sorti le poisson. Le poisson là me regarde comme ça et dit, mon frère, je sais que tu as faim. Tu veux me manger. Mais après, il a porté pour casse-nez d'abord. Vous êtes assis, quoi. Vous savez pas que les animaux, ils se moquent de nous. Hein? C'est eux, ils portaient ça. Avant. Enfin, les chiens, hey, franchement, c'est des hommes. Quand ils nous voient comme ça, la dernière fois, ils ont été cassés. Il y a un chien qui m'a dit, je me suis arrêté, il m'a fixé comme ça. J'imaginais déjà ce qu'il disait. Sans doute, il disait, mon frère, quand on dit, tu mords les gens. Ton patron t'a dit, nous jolies. Ah, Corona nous fait souffrir, hein. Non, on souffre avec cette maladie-là. Non, c'est pas possible. Et vous avez remarqué que ça a influencé nos habitudes, ça a influencé dans notre quotidien. Même quand tu parles aujourd'hui, tu ne peux même pas faire une phrase sans mettre le lexique de Corona à l'intérieur. À tous les coups, il y a un mot, tu n'as pas à Corona, tu vas sortir dans ton dialogue. Moi, la dernière fois, je draguais une fille. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit non, le climat a changé. Donc, il faut l'impressionner avec la nouvelle mode de drague. Dès que je l'ai vue, j'ai crié. Je l'ai regardé et dit, parce qu'il faut prendre un élan. Dès que je l'ai vu, d'abord j'ai sorti mes lunettes. Et puis j'ai calé ça. Moi-même, je sentais qu'elle a la même là. Je ressemblais même au fils de Obama. J'ai commencé à passer. Quand je me suis calé comme ça, j'ai dit, waouh! Ma petite, quelle beauté désinfectante! Elle dit, elle dit non! Ton regard thérapeutique me plonge dans un mouvement sentimental. Et quand je te regarde comme ça, la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre sanitaire me rassure et me pousse à casser les muscles barrières de mon cœur et m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi. Elle m'a regardé jusqu'à... Elle dit, hey, quand tu dragues femme et puis elle est déjà emballée, tu sais, elle commence à dessiner à terre. Et là, là, je savais qu'elle était déjà à ma portée, donc je voulais enfoncer le cou. Quand je l'ai regardée et puis je lui ai dit, mademoiselle, quand je te vois,
Sache que les rythmes cardiaques de mon cœur s'accélèrent rapidement comme le nombre de cas de corona s'accroît au journal des vainqueurs. Le gouvernement dit de respecter les mesures de distanciation, mais sache que c'est le cachet de ma vie. Chaque fois de ma vie, je me sens en confinement. Mademoiselle, nous qui apprends ma mort, sache que je ne suis pas mort de virus, mais je suis mort d'excès d'amour pour toi. Quand j'ai été détecté positif au charme de ta beauté. Mon docteur, tu veux quoi? J'ai dit non, en fait, c'est pour te dire que j'ai regardé une passage d'un hôtel de la place, là, on appelle ça, il te reçoit une chloroquine à notre domicile, je voudrais qu'on aille là-bas, j'ai le virus de, le vaccin de corona dans mon pantalon, je vais te montrer ça. Elle m'a regardé, elle dit si tu ne quittes pas devant moi. Parce qu'il y a des gifles là. C'est le deuxième cas de corona là qui va t'attraper. Je lui ai dit, oh pardon, il ne faut pas coaguler tout ça. Heureusement qu'on dit qu'ils ont trouvé le vaccin. Ça au moins, ça va nous sauver. Ça va nous sauver, non? Mais c'est bizarre, vous n'avez pas trouvé quelque chose de drôle. Oui, c'est ça même que je voulais te dire. Ils ont trouvé, nous on n'a pas parlé, hein. On n'a pas parlé. Mon frère, nous on a fumé pour nous, il dit c'est pas bon. Parce que quand on est arrivé rapidement, nous on a trouvé, on dit oh, nous on a dit, Koutoukou soit ça. Les blancs ont dit que Koutoukou c'est quoi ça, c'est du poison ça. J'ai dit ah, mon frère, nous on a trouvé, ils ont dit c'est pas bon. Après, on a dit non, j'aime, si tu te purises avec, vraiment, ça va te guérir. Ils ont dit, c'est pas homologué. Mais je comprends, hein. Comme les blancs, ils ne savent pas se puriser aussi. Donc, ça les effraie. Mais en tout cas, depuis que Corona est là, vous ne voyez pas notre importance, nous les Africains. On est important, hein. Avant, on va peut-être demander plus à ceux-là. Ah, ta mère vous voudrait. Mais là, c'est même tu vas faire. Alors, mais monsieur Delevalle, il y a les visas disponibles pour vous et vous présentez, on vous donne 5 cadeaux, vous devez partir avec toute votre famille. Si vous voulez rester là-bas, caler là-bas, on ne va pas pouvoir continuer. Moi, je vous ai croisé un ambassadeur au Grand Carrefour de Kumasi. Avec les visas en main. Et je n'ai pas dit que c'est l'ambassadeur de France. La visa était dans sa main comme ça. Et puis j'entends, va le passer, visa gratuit, Seigneur. Visa encore. Quand j'ai baissé le vide de ma voiture, il m'a regardé et puis il me dit, Delaware, c'est toi, j'ai dit où? Donc il me reconnaît et puis il m'a refusé le visa à un là. Et puis il y a les visas ici, tu prends un, te donne 7 cadeaux. Et là, dit mon frère, on va pas. Tant que pour nous, là, n'est pas si on va pas. Maintenant, même c'est il faut demander plus d'un peu de choses. Même chose, dit mon frère, on va aller faire même chose. Frère, ils vont taper pour toi à l'ambassade de Niger, là, je l'ai. Et là, il n'y a pas de problème. Le président Maman est dans la salle. C'est notre Aoussa Soko. Oh, vraiment. Non, donc, quand vous voyez, ils ont créé le passé. Et puis, c'est un petit coup, il vient nous dire, attends, il n'y a pas effet secondaire. Non, vous avez demandé quoi? Depuis que vous dites pour nous, là, c'est pas bon, là. Nous, là, si, par terre, nous, les gars. Alors seulement, nous sur le mouvement. Et du coup, ils ne sont pas unanimes sur le bassin. Et vous remarquez que, bon, vraiment, ça va dans tous les sens. Chacun a créé son bassin. Les États-Unis ont créé leur bassin. L'Allemagne a créé son bassin. L'Italie a créé son bassin.
La Russie a créé son vaccin. La Chine a créé son vaccin. Et puis elles nous disent, il n'y a pas effet secondaire. Et nous, les regardons. C'est Chine. C'est ça, moi, mon oncle a fait. Le jour, depuis l'affaire vaccin de Chine, il se promène maintenant en kimono. Il a frappé tout le monde au quartier. Quand il est mort, il dit bonjour, tonton, il dit Kimanasi. Niho! La dernière fois même, il est rentré à la maison, elle est le bout de pied devant. Pourtant, il a encore couché à la maison là-bas. Je me suis arrêté devant les dégâts et puis il a dit, ouais, c'est vrai. Ça n'a vraiment pas d'effet secondaire. Mais c'est plutôt les effets collatéraux. Et dans ce cafouillage-là, imaginez-vous, ah, le monde a été sauvé. Hein. Vraiment, vous avez été sauvé. Parce que imaginez-vous un instant, si on disait que la Côte d'Ivoire a créé son vaccin, effet secondaire de ça, là. Il voyait même pas que les gars, ils ressemblent déjà à effet secondaire. Mon frère, il voyait à créer un vaccin. C'est d'être mal parlant partout. C'est pour s'asseoir devant l'ordinateur, faire direct matin, midi, soir. Tu le vois dans la rue, tu dis bonjour mon frère, il dit bataille, bon, moi tu y as, bonjour. En fait, nous, c'est pas comme nous, on est comme ça. Nous, c'est pas ivoirien. Il peut pas faire une phrase en fait et une dedans. Il peut te voir comme ça et puis, tellement il est content de te voir, il dit sauvage là, ça va. Ça, c'est notre ADN, ça. Oh, on est trop fort, les Ivoiriens. Et imaginez-vous dans le pire des scénarios, si on disait que le vaccin de la Côte d'Ivoire a été le fruit de longues recherches au prix de plusieurs mois de sacrifice de sommeil mené dans un laboratoire par deux individus. Est-ce qu'elle lit? Les gars, c'est pas la mort ça. Imaginez-vous les effets secondaires qui vont provenir des vaccins pareils. Laissons même pas. Venons est-ce que quelqu'un qui voit son visage, on dirait, on fait passer des bouteilles dans sa tête. Et puis on dit que là, il a créé un vaccin. Et puis dans ça là, une haute autorité, un ambassadeur, un diplomate, il fait le vaccin. Et puis on l'envoie en mission pour représenter le pays. Le vaccin de SKL est dans son corps. Et puis il a assis, en plein sommet. Bon, les gars, ils n'ont pas d'idée pour créer ce pays. Lutte contre le réchauffement climatique. Et toi, c'est ça. Gaz à effet de serre. Elle est prête à rester inspirée. Souvent, quand il n'y a rien, elle veut créer du risque. C'est un frère qui peut se lever comme ça, on dit qu'on pourrait classer la monarchie dedans, mais il va rentrer. Ils ont fait des documentaires sur les araignées. Mon frère, qui t'a envoyé là-bas? Et puis après, on dit non, oui, on l'a enlevé. C'est bon, fou. Donc, vous vous imaginez, vaccin, créé par Esquil, et puis il est en plein sommet, devant ses pères, en train de discourir. Regardez, messieurs,
chers collègues, nonobstant les quelques élucubrations, et puis. Passez des restes. Vous-même regardez les effets. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, le morceau là, le morceau qui vient de passer là, le jour où j'ai écouté ça, je me suis assis, je me suis dit, c'est un morceau ça. Je l'ai dit à la fin, on ne comprend rien. Pourquoi la femme, il y a longtemps. Quand ils vont venir là, c'est pour qu'ils n'aient plus de lucide. C'est pour qu'ils vont attraper. Mais ne vous en faites pas, je vais passer sur Facebook pour vous soutenir. Et puis je vais vous identifier quoi. Comme ça, s'ils réagissent là, vous saurez. Non, c'est vrai. Rien, vous ne pouvez plus pouvoir dire. Mais franchement, pour composer une musique comme ça là, mon frère, tu as besoin d'inspiration. Bon, heureusement qu'on dit non, ils ont brûlé ça. On dit ils ont brûlé. Bon, le direct est fini. Enfin, ici à 8%.